Réaction ferme de Macron qui appelle Israël à cesser les bombardements sur Gaza. Dans une récente entrevue accordée à la BBC, Emmanuel Macron a exhorté l'État d'Israël à mettre fin à ces bombardements sur les civils de la bande de Gaza. Le président français, évoquant la tragique mort de bébés, de femmes, de personnes âgées, a adopté un ton plus ferme envers Israël. Il a déclaré à la BBC: De facto, aujourd'hui, des civils sont bombardés. Ces bébés, ces femmes, ces personnes âgées sont bombardées et tuées. Macron a souligné qu'il n'y a aucune justification ni aucune légitimité à de telles actions, appelant Israël à cesser ses bombardements. Ces propos tranchent avec les premières déclarations du président français après l'attaque du 7 octobre. Cette évolution dans le discours de la France sur le conflit à Gaza soulève des questions sur un possible changement de cap de la diplomatie française ou sur la recherche d'un meilleur équilibre. Depuis la conférence humanitaire organisée à Paris jeudi dernier, les déclarations de Macron sont nettement plus critiques envers Israël et la conduite de ses opérations militaires à Gaza. Ces prises de position pourrait refléter une volonté de répondre aux critiques concernant un alignement jugé trop étroit de la France avec Israël, rompant avec la tradition d'une diplomatie française plus équilibrée au Proche-Orient. L'appel à un cessez-le-feu à Gaza, une position inédite dans le camp occidental, renforce l'idée d'une inflexion du président français face à l'évolution du conflit. Dans l'entourage de Macron, on estime qu'aujourd'hui, avec la poursuite à grande échelle de l'opération israélienne au sol à Gaza, les préoccupations concernant le nombre élevé de victimes civiles sont justifiées. Depuis le 7 octobre, date où le Hamas a tué 1200 personnes en Israël, l'État hébreu aurait tué 11 078 personnes, dont 4 506 enfants, dans la bande de Gaza, selon le Hamas. En exprimant sa compassion pour les victimes civiles à Gaza, Macron cherche à accompagner l'évolution du conflit et à prendre en compte l'émotion suscitée en France et au-delà par le bilan humain de cette guerre. Mathilde Panot, chef des députés de la France insoumise, a réagi en saluant cet appel qui arrive tard, 10 000 morts plus tard. Mais il faut saluer cet appel que nous ne cessons de tenir et qui est le seul qui vaille. Cessez le feu à Gaza. La députée écologiste Sandrine Rousseau a critiqué ces revirements permanents qui, selon elle, affaiblissent la position de la France. Et vous, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à la chaîne YouTube si vous appréciez les vidéos et que vous souhaitez me soutenir, à activer la cloche des notifications pour être au courant de chaque nouvelle vidéo. Bonne soirée à tous et à toutes. À la prochaine.